Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous accompagner en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mercredi 10 mai avec toute l'équipe, Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu. Salut à tous les cinq. Bonsoir. Salut à tous les cinq. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Le gouvernement, mais surtout un ministre, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, qui entre en guerre contre la fraude fiscale. Et il se livre à un véritable marathon médiatique. Attention, gare au populisme, averti dans son édito Nicolas Bétou, fondateur et directeur du journal L'Opinion, qui fête ses 10 ans. Il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir. Dylan Thierry est un célèbre influenceur accusé d'avoir tenté du trafic d'enfants et de proxénétisme. Il est accusé aujourd'hui par une nouvelle plainte. Son ancienne collaboratrice témoigne dans cet aveu. Patrick, votre édito. Je vais vous parler de politique culturelle punitive. Oui, oui, ça existe du côté de chez Laurent Wauquiez. Et ça intéressera forcément la ministre de la Culture qui fêtera bientôt ses un an de prise de fonction. Bonsoir, Rima Abdul-Balak. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Beaucoup de questions à vous poser. Mathieu, dans le 5 sur 5. On sait que le président Emmanuel Macron aime les cordons bleus. Moi, je vais vous parler de l'alimentation de Joe Biden, le président des États-Unis. C'est pas tellement mieux. Qui se fait tirer les oreilles, figurez-vous, par Jill Biden. Il ne mange pas assez de légumes, de poissons, beaucoup de glace et de sandwich au bacon. Vous saurez tout. Pierre, dans votre œil ce soir. Au Festival de Cannes, qui débute la semaine prochaine et où vous serez. Bien sûr, il n'y a pas que la Palme d'Or et que le tapis rouge, il y a aussi la Caméra d'Or qui récompense chaque année un premier film. L'an dernier, c'est War Pony, un magnifique film indépendant américain avait obtenu la Caméra d'Or. Il sort aujourd'hui, je vous le présente. Nos invités après 20h, ce sont deux jeunes femmes qui veulent nous mettre au travail. Elles nous proposent cet été de réviser nos notions en féminisme dans un cahier de vacances pour obtenir un master de féminisme. Voilà, après des mois de grisaille à se coltiner des « ça va bien se passer madame ». CF Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Ben, l'été, c'est le moment idéal pour démonter le sexisme. C'est Titu Lecoq et Charline Van Honecker qui nous en parle juste après 20h. Et puis, on est très, très, très heureux d'accueillir à nouveau sur la scène de C'est à vous Fatoumata Diawara. Elle est merveilleuse. Elle est enthousiasmante. Elle est chaleureuse. Elle a une voix incroyable. Elle nous présente son nouvel album avant son concert à la salle Pleyel le 24 mai prochain. Et puis, le dîner est préparé ce soir comme hier et comme avant-hier par Nicolas Brenière, le chef du restaurant du Paris Latin à Paris. Et Bertrand est à ses côtés. Salut, les gars. Salut Babette, hi Joe Biden, I hear from Matthew's Billiards that you eat too much junk food. You better test the menu of our chief because it's light tonight. Absolutely, absolutely. Ce soir, on est sur le cabillaud, voilà. Cabillaud accompagné de pas que du cabillaud quand même. Et alors, non, on a faut traduire cabillaud en anglais immédiatement. Fish. Codfish. Fish. Codfish. Non, codfish, c'est pas ça code du tout. Fish, c'est le code. Si, c'est codfish. Codfish. Validé par la ministre de la Culture. Eh ben voilà. Je vous ai coupé, pardon. Non, c'est pas grave. Donc, du codfish. Voilà. Good show, Babette. Merci, thank you very much. À tout à l'heure à tous les deux. C'est le 11e journaliste mort en Ukraine dans l'exercice de ses fonctions depuis le début du conflit. Arman Soldin avait 32 ans. Il travaillait pour l'agence France-Presse. Il a été tué hier après-midi dans l'est du pays, près de la ville assiégée de Bakhmout. Il faisait partie d'une équipe de 5 reporters de l'AFP qui accompagnaient des soldats ukrainiens sur le front. Depuis hier, collègues, mais aussi dirigeants politiques, lui ont rendu hommage. Je voudrais d'abord exprimer mes condoléances à la famille du journaliste Arman Soldin, ainsi qu'à ses proches, puisqu'il est mort alors qu'il œuvrait pour son travail sur la guerre en Ukraine. C'était pas du tout une tête brûlée. Il aimait pas la guerre en tant que telle. Il était en Ukraine depuis le mois de septembre. Arman, c'est vraiment quelqu'un qui était tellement enthousiaste, tellement énergique, tellement vivant que ça paraît réel en fait. Ramener des témoignages, des histoires, c'était tout ce qu'il animait. Il accompagnait des militaires ukrainiens sur la ligne de front, dans une zone qui n'était pas considérée comme rouge par les Ukrainiens, sinon les journalistes auraient été exclus. Il y a eu un tir de roquette, il était couché, comme les 4 autres membres de l'équipe, et c'est tombé sur lui. Son travail en Ukraine a été salué par le ministère de la Défense ukrainien. Il a consacré sa vie à rendre compte de la vérité au monde. Son souvenir et sa cause resteront. Avec courage, dès les premières heures du conflit,
Il était au front pour établir les faits, pour nous informer. Le monde a une dette envers Arman. Nos pensées vont à sa famille. Pour autant, je pense que dans l'esprit de personne, ici à l'AFP, il n'est question de renoncer. Il est mort caméra à la main. Ce serait presque lui faire injure que de dire on arrête tout, on plie les Gaules et on ne couvre plus le pays. Le monde a une dette à son égard, dit la Maison-Blanche. C'est également votre sentiment, Madame la Ministre ? Oui, c'est une vie fauchée à 32 ans. Ça brise le cœur. Mais une vie fauchée pour nous informer. C'est quelqu'un qui était prêt à mourir pour ce droit, qui est le droit d'informer la population de ce qui se passe dans cette guerre et nous montrer les images au plus près du terrain, au plus près des vies humaines qui sont impactées. Sachant que c'est aussi une guerre contre la vérité et la liberté d'informer qui se déroule actuellement en Ukraine. Exactement. C'est aussi son rôle et le rôle de tous les journalistes qui sont sur le terrain de rétablir les faits, de montrer, de sourcer leurs informations et de nous montrer la vérité de ce qui se passe. Le Kremlin s'est dit aujourd'hui peiné par la mort d'Arman Soldin et a appelé à éclaircir les circonstances de sa disparition. Est-ce qu'on peut en douter ? J'ai pas l'impression qu'on peut en douter. On pourrait même appeler ça un crime de guerre. Un crime de guerre ? C'est-à-dire que vous sous-entendez que les journalistes sont... Les journalistes, c'est pas la première fois qu'un journaliste est tué en Ukraine, qu'il le soit volontairement, ça, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, on ne peut pas accepter que ça se reproduise aussi souvent. 10 autres journalistes ont déjà été tués depuis le déclenchement de la guerre, c'est un peu plus d'un an. C'est vrai que c'est considérable. C'est considérable, mais... On doit continuer à les soutenir dans ce courage qu'ils ont, qu'elles ont aussi, il y a beaucoup de femmes, pour nous informer, nous donner accès à des informations que sinon, via les canaux de la propagande russe majoritairement présents ailleurs, on n'aurait pas accès à ces informations pour équilibrer et avoir une vision plus complète de la réalité. Et la mort d'Arman Soldin fera l'objet d'une enquête puisque le parquet antiterroriste vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre. On passe maintenant à l'édito de Patrick Cohen. Dans votre édito, Patrick, de nouveaux dangers pour la culture. Oui, avec des attaques qui ne relèvent pas seulement des assignations identitaires et de la cancel culture, pour reprendre les termes que vous avez employés lors de vos vœux 2023, pour dénoncer les appels à déprogrammation ou les actes de vandalisme, on va en reparler, contre les œuvres, des conférences, des expositions par des groupes antiracistes ou féministes qui, au nom d'une identité offensée, préfèrent effacer, autrement dit, la censure plutôt que le risque de l'offense. Mais on aurait tort d'oublier que les attaques et la censure viennent aussi du camp opposé. Je veux parler de la droite populiste, celle par exemple qui a pris les commandes en Italie et qui est en train de faire le ménage dans le secteur public de la culture. Le patron de la RAI vient de démissionner. Il dit refuser les pressions exercées par le gouvernement Meloni sur sa programmation. Et deux directeurs de grands opéras sont poussés vers la sortie. Deux directeurs français, Stéphane Lissner à l'Opéra de Naples et Dominique Meyer à la Scala de Milan. À noter que l'Italie, grand pays de patrimoine, est le pays d'Europe qui dépense le moins pour sa culture, deux fois moins que la France. La France, c'est justement l'exemple dont vous voulez parler ce soir. Oui, il y a une région en particulier, celle présidée par Laurent Wauquiez, Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne met pas beaucoup d'argent dans la culture, 8 euros par habitant contre 18 dans les Hauts-de-France de Xavier Bertrand, et qui a choisi d'en dépenser encore moins. L'an dernier, déjà, l'Opéra de Lyon, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, la Maison de la Culture de Grenoble, l'Institut Lumière et des dizaines d'autres structures ont dû tailler dans leur budget et leur programme. L'Opéra va fermer un mois l'été prochain, ce qui n'était jamais arrivé, tandis que la Villa Gilet, lieu de création littéraire et de rencontre entre auteurs et lycéens, s'est vue carrément sucrer ses 350 000 euros de subvention, zéro. Sans concertation ni explication, la ville de Lyon et le Centre national du livre sont venus à leur rescousse pour sauver l'institution. Est-ce que c'est par souci d'économie ? Officiellement, il s'agit de rééquilibrer les territoires, donner moins aux grandes métropoles et plus aux villes, aux villages et, affirme Laurent Wauquiez, au terroir et au festival. On a clairement une vraie divergence. Vous êtes favorable à des grosses institutions implantées dans les grandes villes. Nous, c'est vrai, nous assumons l'orientation très claire de notre politique culturelle en direction des festivals, en reconnaissance des bénévoles qui y sont engagés. Laurent Wauquiez qui veut aussi transformer le musée de la bataille de Gergovie en une vitrine de la civilisation gauloise, une sorte de puits du fou Arverne pour 20 à 40 millions d'euros. Mais en réalité, dans le budget global de cette grande région, près de 5 milliards d'euros, la culture est une goutte d'eau, à peine 1,5%. Alors à ce niveau de dépense, chaque coupe
est symbolique ou politique ou punitive. On vient d'en avoir la preuve. Pour avoir critiqué publiquement cette politique, le directeur du théâtre Nouvelle Génération, TNG, Joris Mathieu, a été aussitôt sanctionné, privé de subventions lui aussi, validant ainsi ce qu'il dénonçait, la culture de la peur entretenue par l'exécutif. La région se déshonore, ont écrit en réaction un collectif de 200 personnalités du spectacle public et 8 de vos prédécesseurs au ministère de la Culture, de Philippe Douste-Blazy à Roselyne Bachelot, Jack Lang ou Aurélie Filippetti, avec ce rappel en forme d'avertissement, les dérives populistes et autoritaires prennent souvent le terrain culturel comme premier champ d'expérimentation. C'est sans précédent ? Oui, à l'échelle d'une région, oui, et c'est une rupture avec le consensus républicain qui prévaut depuis des décennies pour une politique culturelle transpartisane et garante de la liberté de création, avec un souvenir personnel et une exception historique de taille, les premiers pas municipaux du Front National quand les lepénistes voulaient nettoyer la culture en liquidant, comme à Vitrolles, cinéma d'arrêt d'essai ou association culturelle. La démocratie que de décider au nom de la population quel usage on fait de l'argent public. Eh bien, nous considérons qu'il y a un meilleur usage que de subventionner une boîte de nuit dont la gestion est d'ailleurs des plus douteuses, qui met en scène des groupes qui appellent à la violence, voire à la délinquance, et qui, de surcroît, fait circuler la drogue sous le menton. Vitrolles 97, c'est à peu de choses près le discours entendu ces derniers jours du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sophie Rodkopf, vice-présidente déléguée à la culture, le directeur du TNG ne se reconnaît pas dans les choix de la région et donc nous retirons nos subventions à la structure. Voilà, c'est clair. Depuis, et dans la même veine, Laurent Wauquiez vient d'accorder une interview au Point où il réclame la suppression de la quasi-totalité des autorités indépendantes, la CNIL, Informatique et Liberté, ANSES, Sécurité Sanitaire, l'ARCOM, Audiovisuel et Numérique, pour qu'un futur pouvoir ait les mains complètement libres sur la culture et sur le reste. C'est cette dérive populiste et autoritaire-là qu'il faut craindre ? La région Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas sous la houlette de Laurent Wauquiez, en prend ce chemin. Là, par rapport aux décisions qui ont été annoncées, il y a des délibérations du Conseil régional vendredi. Vendredi, oui. Donc, j'attends de voir l'étendue des dégâts et quelles structures sont impactées, parce qu'on n'a pas vraiment précisément ces informations. À ce stade, effectivement, on a l'impression qu'il y a une distribution des bons points, des mauvais points, et que certains ont des hausses, d'autres des baisses, sans vraiment de cohérence. S'il veut redistribuer vers les territoires, est-ce que, par exemple, il va baisser la subvention au théâtre de Montluçon, qui est en zone rurale, qui fait des spectacles dans les EHPAD, dans les bibliothèques, dans les écoles ? Il semblerait que oui, donc j'aimerais qu'on m'explique. Et même les grandes institutions, l'Opéra de Lyon, fait de l'opéra itinérant. Des petites formes qui se déplacent partout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la village d'Ilet, dont on a parlé aussi. Moi, je suis arrivée du Liban, je suis arrivée à Lyon. Mon premier spectacle que j'ai vu de ma vie quand j'étais en classe de 4e, c'était au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Je ne serais jamais arrivée là où je suis s'il n'y avait pas une politique publique de la culture qui était portée depuis si longtemps, depuis 60 ans en fait, par l'État et les collectivités pour permettre aussi à des collégiens d'aller voir les spectacles. Mais quelle est votre marge de manœuvre pour éventuellement vous opposer à cette dérive-là ? Question posée par Joris Mathieu. Est-ce que l'État peut empêcher cela ? En fait, il y a ce qu'on appelle la libre administration des collectivités territoriales. Oui, ils sont libres de subventionner qui leur semble. Il a le droit de baisser ses subventions. Donc, il y a, sur le terrain légal, il a le droit. Sur un terrain politique, bien sûr, il fait des choix politiques. Moi, je crois en la responsabilité politique. Il va assumer ses choix. Visiblement, il compte aussi donner plus d'argent aux jeunes pour passer leur permis de chasse. On voit où sont ses priorités, alors qu'il dit qu'il veut sortir la France de, soi-disant, la décadence. Un mot qui quand même résonne aussi de manière qui fait froid dans le dos, alors qu'on en est vraiment très très loin. Donc nous, notre... À part protester. Non, c'est se concerter avec les autres collectivités et faire front ensemble, grouper nos forces, regarder ensemble les priorités. Vous avez cité la Village Ilet, qui est un lieu qui me tient très à cœur pour la littérature et la diffusion de la littérature dans la région. On est venu à la rescousse, Ville de Lyon une partie, l'État une autre partie via le Centre National du Livre. Donc l'État va se substituer à la région. On ne pourra pas le faire. J'attends de voir l'étendue des dégâts. Je crains que non. Je crains que ça ne soit pas possible. Et puis si on commence à le faire là, ça donne le signal à d'autres élus ailleurs. Ben, on va faire la même chose et l'État va venir compenser. Ce n'est pas possible. Vous auriez pu signer la tribune de vos 8 prédécesseurs ?
J'attends quand même de voir, les raisons qui vont être données vendredi et l'étendue des baisses ou des hausses et quel va être le budget à la fin. J'attends de voir les chiffres, mais leur inquiétude me semble totalement fondée. Leur inquiétude les mots me semble sont totalement forts, fondée. Ils se déshonorent. Oui. Et pour avoir une telle unité de plusieurs ministres parmi mes prédécesseurs et pas des moindres, évidemment qu'il y a un vrai sujet. Samedi dernier, plusieurs centaines de militantes de l'ultra-droite ont manifesté à Paris. Hier, la Première ministre Elisabeth Borne s'est dite choquée par ces images. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet d'interdire à l'avenir ce type de manifestation. Après ce défilé, un concert de groupes néo-nazis a été organisé dans la salle Simone Veil de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. La maire de la commune va saisir la procédure de la procureure de la République car le lieu avait été loué sans donner l'objet de la soirée. Comment est-ce que vous réagissez? C'est une provocation? C'est un concert néo-nazi? C'est une provocation, c'est salir la mémoire de Simone Veil, et visiblement délibérément, puisqu'ils ont menti sur l'objet de la demande. Ça avait l'air d'être une location, si je comprends bien, pour un anniversaire. De quel anniversaire parle-t-on? C'est atroce, c'est tragique. C'est salir sa mémoire. Ça veut dire qu'il faut renforcer le contrôle de location de salle des fêtes pour éviter ce genre de détournement ? Là, il s'agit d'un lieu municipal. Évidemment que le risque zéro n'existe jamais. Évidemment, il faudra être beaucoup plus vigilant. Mais imaginer une telle manipulation, je pense que ça dépasse l'entendement. Donc, on aurait du mal à anticiper quelque chose comme ça. Dimanche, c'est le tableau de l'artiste suisse Myriam Khan qui a été vandalisé au Palais de Tokyo à Paris. Un ancien élu du Front National a été mis en cause et arrêté. Il avait jeté de la peinture sur cette œuvre que ses détracteurs taxent de pédopornographie, alors que l'artiste dit vouloir exposer et dénoncer justement les horreurs de la guerre. Dimanche, vous aviez dénoncé l'instrumentalisation de cette affaire par le Rassemblement National et Marine Le Pen vous a répondu hier sur Sud Radio. Avec des propos comme ça, elle ne mérite pas d'être ministre des Français. Je le dis de la manière la plus calme et solennelle qui soit. Pourquoi ? Parce qu'ils font feu de tout bois. En réalité, quand je vous disais tout à l'heure, ils n'ont pas de principe, ils ne sont pas choqués par cette dégradation. Moi, je suis choqué par ces dégradations, mais par toutes les dégradations. Vous pouvez rechercher la responsabilité des groupements écologistes qui, eux, commettent des dégradations toutes les semaines, sans que la ministre et sans que le président de la République n'en dise un mot. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je me suis exprimée plusieurs fois sur les attaques contre les œuvres d'art par les militants écologistes, mais là, ce qui me surprend le plus dans ce qu'elle a dit, je ne sais pas si vous avez bien entendu, elle a dit qu'elle ne mérite pas d'être ministre des Français. Elle n'a pas dit ministre de la Culture, elle n'a pas dit ministre de la République. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle. Donc elle fait référence à vos origines ? C'est du racisme. Je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon nom qui semble poser problème? C'est quand même. Alors que moi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire du tableau? J'ai respecté le cadre de la loi. J'ai respecté deux décisions de justice qui ont été rendues, qui ont dit que ce tableau pouvait être exposé, qui n'était pas l'apologie de la pédocriminalité. J'ai respecté l'intention de l'artiste, qui a 73 ans et qui dit dénoncer les crimes de la guerre et les horreurs de la guerre. C'est ce qu'elle fait depuis 40 ans dans ses œuvres. Et j'ai respecté le travail du Palais de Tokyo qui a fait un travail de médiation, de contextualisation. Qu'est-ce qu'a fait le Rassemblement National? Une députée est venue filmer ce tableau, mettre l'œuvre sortie de son contexte sur les réseaux sociaux, déformer l'intention de l'artiste, m'a interpellée à l'Assemblée, a continué à relayer ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est de l'instrumentalisation et c'est de la déformation. C'est complètement inverse à l'intention de l'artiste. Évidemment que le combat contre les violences faites aux enfants, il est crucial aujourd'hui, mais on ne va pas le mener en attaquant des œuvres d'art qui, au contraire, veulent dénoncer aussi ces violences et ces crimes de guerre, s'agit d'un contexte de guerre. Est-ce qu'il faut protéger toutes les œuvres d'art de ces attaques? Non, ce n'est pas possible. Là, l'artiste en question, Myriam Khan, ne souhaitait pas qu'il y ait des vitrines sur ses œuvres. C'est son dispositif à elle. D'ailleurs, il n'y a pas que cette œuvre. Il faut voir l'exposition dans son ensemble. Il reste quelques jours pour la voir, pour comprendre son propos. Évidemment qu'il y avait aussi des avertissements des médiateurs à l'entrée dès le moment où on achète son billet pour expliquer que l'exposition peut heurter des âmes sensibles et n'est pas faite pour les enfants. Toutes les précautions étaient prises et d'ailleurs le tribunal administratif comme le Conseil d'État l'ont reconnu. Donc là, on est complètement dans une dérive de censure. C'est très clairement de la censure de la part du Rassemblement National et de tous ceux qui ont tenté de faire décrocher cette œuvre.
Le monde de la culture qui est régulièrement en ébullition et qui n'a pas manqué de le faire savoir pendant plusieurs semaines, notamment pour faire savoir son opposition à la réforme des retraites, ça a été notamment le cas lors de la dernière cérémonie des Molières. Vous avez été interpellée par deux comédiennes et vous avez décidé de leur répondre. Les acteurs ne sont pas des chiens, disait déjà Gérard Philippe, pour dénoncer la précarité dans nos carrières et la faiblesse des droits sociaux. Madame la ministre de la Culture, quand est-ce que vous allez décider de sortir de votre silence ? Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien. Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers les intermittentes et intermittents du spectacle. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. Vous vous doutiez que vous alliez être interpellée. C'était important malgré tout de répondre. Tous les ans César, Molière, César, tous les ans, il y a une interpellation du ministre de la Culture. Et donc, vous ne vouliez pas faire comme oui, les, je m'y attendais. Les précédents qui c'est sont restés assis sans pouvoir répondre ou sans oser répondre? Alors, moi, il se trouve que 3 jours avant, la CGT avait mis sur Twitter une annonce disant qu'ils allaient faire une action contre la ministre de la Culture, qu'ils allaient lui remettre le Molière du pipeau et des casseroles. Donc déjà, je savais qu'ils voulaient me cibler d'une manière ou d'une autre. Puis, il y avait eu le tweet de la CGT Énergie, qui disait qu'il menaçait de couper le courant à certains grands événements culturels. Le Festival de Cannes, le Festival d'Avignon étaient cités. Je m'étais dit, si ça se trouve, ils vont aussi penser aux Molières. Puis, ils m'avaient écrit un courrier, parce que moi, je leur avais donc proposé une réunion qui était le 27 avril, à laquelle ils ne sont pas venus, parce que dans ce courrier, ils demandaient qu'elle ne se tienne pas, parce qu'ils considéraient que les conditions n'étaient pas réunies, et tant que la réforme des retraites n'était pas retirée, ils ne venaient pas à cette réunion. Et dans ce courrier, il y avait un certain nombre d'arguments qui, en fait, bizarrement, étaient très, très proches du texte qui a été lu par ces deux comédiennes. Donc moi, j'étais arrivée avec déjà en tête leurs arguments, en quelque sorte. Et ce que j'ai senti dans ce qu'elles ont lu, c'est une attaque directe dirigée contre moi et dirigée contre le ministère de la Culture en général, avec des choses fausses. Et j'ai voulu rétablir la vérité. J'ai voulu dire que non, je ne suis pas restée silencieuse face à l'inflation. J'ai débloqué des aides. Non, je n'ai pas rien fait face aux menaces sur les spectacles, les expositions. Il suffit de voir toute la boue que je prends de l'extrême droite pour bien voir à quel point j'ai réagi à chaque fois. Ici même, sur ce plateau, quand vous avez reçu Bilal Hassani, j'ai réagi depuis la Chine pour le soutenir. Donc, quand même, il disait dans ce texte que j'étais silencieuse face à ces menaces. Donc, honnêtement, je ne pouvais pas... Et en plus, elle me demandait de sortir de mon silence. C'était... Comment dire ? C'était trop souvent le ministre de la Culture. Je les ai pris au mot. Ils ne sont toujours pas venus, vous ne les avez pas vus. Non, le 27 avril, la réunion donc, n'a pas eu lieu. Je leur ai proposé une date au 30 mai. Ah, oui. Je vous tiendrai au courant. Oui, c'est bon. Oui, d'ici là, il y aurait le Festival de Cannes, sur lequel planent des menaces de coupure d'électricité par la CGT Énergie. Idem, vous l'avez dit, pour le Festival d'Avignon, ce sont des menaces que vous prenez au sérieux ? Oui, bien sûr, toutes les menaces doivent être prises au sérieux, mais quel est l'objectif? On parle là d'un modèle culturel français, de soutien au cinéma, d'un festival qui va permettre d'être cette vitrine de la grande diversité de notre cinéma et en même temps un moment où se réunissent tous les professionnels, où se vendent aussi les films à l'étranger. C'est un moment décisif pour la profession. Quel est l'enjeu de venir cibler la culture, la reprise du cinéma, après aussi, on le sait, 2 années de Covid qui ont été difficiles pour l'ensemble de ce secteur? Je trouve que c'est vraiment très problématique d'aller sur ce type d'action. Et c'est ça aussi que j'ai voulu rappeler aux Molières. C'est tout le soutien qu'on déploie. Et les intermittents du spectacle, c'est une de ces fiertés de notre modèle. Certes, ils sont impactés par la réforme des retraites. Et justement, il faut qu'on en parle. Et il faut qu'on parle aussi de formation, de reconversion, de ce vous que ça veut quoi, dire. Vous êtes ingrat, vous êtes... Injuste. Je trouve ça injuste. Oui, je trouve ça injuste de ne pas reconnaître... Il y a un impact réel de la réforme des retraites. Pardon, ça c'est pas un fantasme, ça existe. Le pardon ? L'impact de la réforme des retraites sur... Sur tous les métiers, sur tous les métiers, y compris les artistes et les intermittents.
Mais même sans la réforme des retraites, un artiste de cirque à partir d'un certain âge, un danseur, voilà, il y a des métiers qui nécessitent des reconversions, des formations, un accompagnement, et on y travaille, bien sûr, bien sûr. Vous serez au Festival de Cannes pour marquer au moment où vous serez depuis un an, vous aurez été depuis un an au ministère de la Culture. Revenons sur votre parcours. Vous avez donc été nommée le 20 mai dernier, mais depuis 2019, vous étiez conseillère culture du président de la République. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas un parcours banal, ni de techno, ni de politique pur port, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous êtes née au Liban, où vous avez vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Votre famille a rejoint la France et la région lyonnaise, vous l'avez évoqué, en fuyant la guerre civile. Mais l'arrivée en France n'a pas été forcément facile pour vous qui ne parliez pas très bien le français en arrivant. Oui, ma langue maternelle, c'était l'arabe. J'avais appris le français à l'école, mais c'était un français écrit. Donc très soutenu, et à l'oral, j'étais moins à l'aise, avec un accent libanais beaucoup plus soutenu que j'ai perdu aujourd'hui. Il y a des profs qui n'étaient pas ultra sympas, notamment un prof d'anglais, j'ai vu. Oui, qui, une fois où je m'étais rebellée en classe contre je ne sais plus quelle injustice, elle m'avait dit « si tu n'es pas contente, toi, tu rentres dans ton pays ». Voilà. Et plusieurs fois, j'avais entendu dans la cour de récréation, sale arabe, des mots comme ça qui m'avaient beaucoup heurtée, parce que moi, mes parents m'avaient promis une arrivée en France dans la terre de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, et je m'en faisais un paradis. Dans cette banlieue de Lyon, vous faites des études à Sciences Po, vous découvrez le théâtre, et vos premières activités dans le boulot, dans la profession, vous allez travailler au sein de l'ONG Clowns sans frontières, ce qui va vous faire un peu le tour du monde des camps de réfugiés. Oui, des bidonvilles, des orphelinats, des centres de détention pour mineurs, beaucoup de camps de réfugiés un peu partout, en Birmanie, au Soudan, au Bangladesh, en Amérique latine. C'est une association formidable qui existe toujours et qui m'a aussi appris cette magie du spectacle en toutes circonstances, qui peut réunir des milliers de personnes pour vibrer ensemble, vivre des émotions ensemble et dépasser ensemble des traumatismes et des douleurs qui sont celles de la guerre, de la misère, de la violence, d'un tremblement de terre. Et Clowns sans frontières, c'est ça, c'est aider à se reconstruire par le rire, par le spectacle, par la poésie. Et puis il y aura une date et une rencontre importante dans votre parcours au sein du monde culturel, c'est lorsque vous travaillerez sur tous les dossiers culturels auprès de Bertrand Delanoë et la ville de Paris. Oui, mon mentor absolu. Oui, 6 ans à la mairie de Paris pour une politique culturelle, là, voilà. Bon. L'exact inverse de ce dont on parlait pour Laurent Wauquiez, quelqu'un de très audacieux, de très engagé pour la culture, qui avait cette démocratisation de la culture chevillée au corps. Et puis vous avez fait aussi 10 ans au consulat à New York comme conseillère culturelle. Oui, j'ai travaillé pour diffuser la culture française aux États-Unis et créer des partenariats entre Français et Américains pour diffuser la littérature, les spectacles, le design, nos métiers d'art, nos savoir-faire, l'ensemble de ce qui fait la richesse, la force de notre culture. Vous êtes relativement rare dans les médias, à tel point que Jérôme Commandeur s'en était amusé sur la scène des Césars en disant que vous aviez un léger déficit de notoriété et expliquant qu'il vous avait confondu avec... Je sais plus. Qui vous avait pas reconnu. Qui m'avait pas reconnu. Et qui s'est dit que Roselyne Bachelot avait fait quelque chose avec ses cheveux. Voilà. En revanche, d'autres de vos collègues, eux, se livrent à de véritables marathons médiatiques. C'est le cas notamment du ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, qui a présenté son plan de lutte anti-fraude hier et qui, depuis... Et partout. Omniprésent, c'est simple. Depuis 2 jours, on se réveille avec Gabriel Attal, matinale de France Inter, matinale de France Info ce matin. On déjeune avec Gabriel Attal et on se couche avec Gabriel Attal à l'antenne matin, midi et soir. Et un seul message. La fête est finie. Un message qui s'adresse à une cible en particulier, même s'il ne l'assume pas toujours totalement. Les ultra-riches, les multinationales, mais d'alléger aussi la pression sur les classes moyennes, sur les petits patrons, les patrons de PME, pour leur redonner aussi un peu d'oxygène. Moi, je ne m'attaque pas aux riches, je m'attaque à ceux qui fraudent. Et la réalité, c'est que vous avez aujourd'hui 80% des droits notifiés qui viennent de 10 à 15% des dossiers, qui sont des dossiers pour lesquels les montants sont très importants. Quels sont les cas qui, aujourd'hui, rapportent, entre guillemets, le plus aux finances publiques quand on lutte contre la fraude?
C'est une partie de dossier qu'on appelle du haut du spectre, où sur un dossier, vous avez des montants beaucoup plus importants. Voilà, s'attaquer au haut du spectre, dont la fraude pèserait le plus lourd, même s'il reste encore à évaluer, entre 30 et 100 milliards d'euros. Le ministre est prêt à employer les gros moyens, en tout cas. Il va créer un service de renseignement fiscal, donc à Bercy, des sortes d'agents 007 de l'impôt, avec presque tout ce que ça comprend, enquête, espionnage, traçage, sous-entendu, les puissants n'ont qu'à bien se tenir. C'est un service de renseignement nouveau, qui disposera des mêmes techniques de renseignement, de l'accès aux mêmes techniques de renseignement que d'autres services, comme la DGSE, la DGSI, par exemple. Ils pourront recruter des sources humaines, les rémunérer contre des informations. Je travaille avec mon collègue Éric Dupond-Moretti à une sanction d'indignité fiscale et civique. Ça veut dire que dans ces cas-là, la personne, pendant plusieurs années, n'aurait plus le droit à aucun crédit d'impôt, aucune réduction d'impôt, et perdrait ses droits civiques, donc son droit de vote. Alors, est-ce que ça leur fait vraiment peur? Certains en doutent et ils voient davantage une stratégie de communication pour détourner l'attention en pleine crise du pouvoir d'achat et après une séquence retraite un peu compliquée. S'attaquer à ce cancer, qu'est le cancer d'évasion fiscale, ça demande du courage politique et c'est pas seulement de la communication comme est en train de le faire aujourd'hui le ministre Attal. Il y a des postures politiciennes pour faire du détournement d'opinion. Attendez, qui est dans une posture politicienne? Mais là, en l'occurrence, le ministre des Comptes Publics. Bonsoir Nicolas Bétou. Bonsoir Isabelle. Fondateur et directeur du journal L'Opinion qui fête vendredi ses 10 ans. Bon anniversaire. Guerre à la tentation populiste, c'est l'avertissement que vous adressez dans votre édito ce matin d'ailleurs au ministre des Comptes Publics. En quoi lutter contre la fraude et notamment la fraude fiscale, c'est du populisme? Alors avant de vous répondre, je voudrais apporter une précision parce que c'est toujours très compliqué de critiquer la lutte contre la fraude fiscale parce que soit on apparaît comme étant complaisant avec les fraudeurs, soit on se dit ce type-là, il a quelque chose à cacher. Non, je suis résolument hostile à la fraude fiscale. Je trouve que c'est un vol de l'État et donc de nous et qui payons suffisamment d'impôts comme ça. Donc cette précision étant donnée, ce qui m'a gêné dans la charge dont vous avez montré l'intensité, la charge de Gabriel Attal, c'est plusieurs choses. D'abord, le vocabulaire utilisé. C'est un vocabulaire qui est un vocabulaire qui s'applique au grand banditisme. Hein, les balises, les écoutes téléphoniques, les indicateurs. Les moyens techniques, vous voulez dire, oui. Oui, voilà. Ce qui me gêne aussi, c'est... Ce que font les RG, par exemple? Ce sera une sorte de RG pour... Oui, probablement. Enfin, ça donne un climat. Et ce climat, il est aggravé du fait que, dans son interview, il fait un lien très direct. En droit, on dirait une présomption irréfragable de culpabilité, un lien direct entre vous êtes ultra riche, donc vous êtes un fraudeur. Ce qui est quand même assez compliqué. Et la troisième chose qui me gêne, qui au fond est un principe général, c'est qu'il dit je vais mettre plus de moyens pour plus de sanctions dès lors que ce sont des riches ou des ultra-riches. Et moi, j'avais appris dans mes études qu'il y avait une égalité des contribuables devant l'impôt, les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais les mêmes droits aussi. Ils ne sont pas égaux dans les contributions. Hein, non, mais les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et donc, l'idée qu'il y ait... que ce soit impardonnable parce qu'on est un ultra-riche, mais que ce soit pardonnable. Ça fait plus d'argent évadé, ça fait plus de... 14 milliards d'euros récoltés l'année dernière. Oui, très bien. Mais alors, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est pour efficace. Pour la fraude fiscale. Oui, non, c'est efficace. Oui, c'est efficace. Oui. Mais si vous voulez, il y a un énorme... Non, on l'évalue entre 30 à 100 milliards. Heureusement qu'il y a des... Alors, il y a... Ça n'existe pas. Alors là, vous êtes en train de dire exactement ce contre quoi je me suis élevé au début. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des contrôles fiscaux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude fiscale. Je dis que ça crée un climat qui est assez étrange et qui, dans la tête des gens... Mais d'ailleurs, on sait très bien pourquoi c'est fait. Hein, c'est fait, et je réponds encore à votre question, c'est fait parce qu'il faut reconquérir les classes moyennes, il faut flatter les classes moyennes qui pensent que là-haut, ils se gaffent tous, que les classes moyennes payent et que les riches s'en tirent toujours. Tout ça fait partie d'un plan de communication qui va être égrené dans 15 jours, 3 semaines. Pour frauder, encore faut-il avoir des revenus, non? Enfin, je... Ah non. Des revenus... D'ailleurs, très élevé pour, en tout cas, défiscaliser au maximum, ce qui parfois est à la frontière de la fraude fiscale. Bien sûr, mais si, le sujet, profondément, c'est est-ce que vous devez désigner des gens comme étant a priori des fraudeurs? Moi, c'est ça qui me choque. Ça remet 3 sous dans la machine à détester la richesse et la réussite. Et d'ailleurs, c'est assez étrange parce que Emmanuel Macron, depuis 10 ans, depuis qu'il est ministre de l'économie, dit...
je veux essayer de rétablir le respect de la réussite, la création de richesses, etc. Mais ce climat, il existe, mais ce n'est pas Gabriel Attal qui l'a créé. Non, mais il le renforce. Je veux dire, à chaque rapport d'Oxfam sur qui sont les plus riches, combien est-ce qu'ils ont en plus, alors que c'est des capitalisations boursières. Enfin, oui. Mais il le renforce. Et c'est ça que je trouve assez problématique. Et surtout, créer ce lien absolument automatique entre l'ultra-richesse, richesse et la fraude. Ça vous choque moins quand il s'agit de fraude sociale ? Non, ça ne me choque pas moins. Et d'ailleurs, vous avez raison d'en parler, parce que Gabriel Attal va développer un plan dans quelques jours, dans 15 jours, 3 semaines, sur la fraude sociale. Et pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça en même temps ? Parce que la première partie de la communication est faite pour flatter la gauche, d'une certaine manière, et la deuxième partie de la communication, sur la fraude sociale, sera faite pour flatter la droite. Vous vouliez réagir, Madame la ministre ? Non, moi, ça fait un an que j'entends Gabriel Attal parler de ce plan, de le préparer. C'est une de ses obsessions. Il y travaille sérieusement depuis longtemps. C'est le bon moment pour le faire parce que c'est prêt. Est-ce que c'est un vrai sujet de lutter contre la fraude fiscale ? Oui. Oui. Après, on peut débattre de comment tel mot de telle ou telle interview. Mais moi, je suis fière de vivre dans un pays où on paye des impôts pour financer un modèle social qui nous permet d'avoir une éducation digne de ce nom, gratuite, une santé avec le remboursement de la sécurité sociale. J'ai vécu aux États-Unis, Pierre l'a rappelé, je peux voir la différence. Je ne compare même pas avec le Liban. Il faut retrouver aussi cette adhésion à l'impôt et lutter contre ceux qui veulent détourner le système alors qu'ils devraient aussi contribuer, voire plus contribuer que d'autres. Émilie. Les Français font toujours face à l'inflation. Ouais. Plus de 4 Français sur 10 disent avoir renoncé à des achats alimentaires ces derniers mois. Ce matin, le patron des supermarchés Leclerc déclarait que les distributeurs auraient permis de faire gagner 2 à 3 points d'inflation à la France. Michel-Édouard Leclerc qui affirmait également que les prix alimentaires ne reviendraient jamais à ceux d'avant, contrairement à ce que dit le chef économiste de la FMI, qui lui est beaucoup plus optimiste. On écoute les deux sons de cloche. Je pense qu'on ne reviendra jamais au prix d'avant. On ne reviendra jamais au prix d'avant. Il ne faut pas vendre du rêve. Aujourd'hui, il y a les prix des matières premières et les coûts de production. Il y aura toujours des industriels pour dire que les coûts de production continuent d'augmenter. Alors on commence à voir le début du bout du tunnel. Ça va se faire lentement. C'est-à-dire que même on sera au retour vers les cibles d'inflation plutôt fin 2024, courant 2025 qu'avant. Alors on va les retrouver les prix d'avant ou pas ? Alors, pardon, mais par construction, le phénomène de l'inflation fait qu'on ne retrouve jamais les prix d'avant. Mmh. Les prix montent, alors ils montent plus ou moins vite. On a eu des périodes d'inflation quasi zéro. La déflation, c'est-à-dire la baisse des prix, est une mécanique qui est très dangereuse. Quand elle s'enclenche, elle est très problématique. C'est ce que le Japon a vécu pendant des dizaines d'années. Donc on ne retrouvera pas, sur le principe, les prix d'avant. En revanche, on peut retrouver une inflation qui soit la même qu'avant. Et ce que disent les experts est assez crédible. On a eu en France une vague d'inflation moins haute, mais plus longue que ce qu'espérait en particulier Bruno Le Maire, par exemple, et l'ensemble du gouvernement. La vague a été moins haute, plus longue. Elle commence à décroître, elle décroît lentement, et probablement il faudra toute l'année 2024, en tout cas une bonne partie de 2024, pour arriver au prix d'avant, corriger de l'inflation. Donc pas vraiment au prix d'avant. Un mot sur cet anniversaire, les 10 ans du quotidien de l'Opinion, un anniversaire que vous fêtez avec une campagne de publicité. On voit Vladimir Poutine, Angela Merkel, Christine Lagarde, la patronne du FMI, ou encore Elon Musk, allongé sur un sofa, avec ce commentaire, 10 ans d'analyse. Vous avec avez un pas... S à analyse. Oui, bien sûr. Ouais. Vous n'avez pas osé allonger Emmanuel Macron sur le divan ? Alors non, non, on n'a pas osé, effectivement. Mais, osé ou pas pensé ou parce que... Les deux, à vrai dire. Les deux, on a essayé de prendre des personnages publics qui étaient dans la politique ou dans la vie active d'entreprise. Donc on a effectivement Elon Musk, la Merkel pour ce qu'elle a fait comme contribution à l'Europe, d'autres, Poutine, avec tout le mal qu'on peut en penser. Et c'est une très belle campagne qui a été faite par TBWA, par Nicolas Bordas, qui a eu beaucoup d'inspiration, je trouve, et qui dit ce qu'on est, c'est-à-dire un média, un journal, un site qui travaille sur le fond, sur l'analyse, et pas seulement sur les tweets et l'instantané. À l'occasion, vendredi, sortira un numéro spécial qui a choisi de célébrer la liberté d'entreprendre. Ouais. C'est un peu ce que vous avez fait il y a 10 ans, en lançant ce quotidien papier et numérique, vous l'avez rappelé. Un défi, voire une gageure, mais rendu possible notamment aussi grâce aux subventions publiques. Ouais. L'aide à la presse, le soutien de l'État, vous ne pourriez pas faire sans.
Non, je ne pourrais pas faire 100. À vrai dire, pour être très complet là-dessus, j'ai fait 100 pendant plusieurs années et je me suis battu contre les gouvernements précédents, en tout cas contre le président précédent, dans une démarche qu'on pouvait soupçonner d'être assez politique, nous avait refusé les aides. Et moi, en tant que journal libéral, je disais, et je maintiens, le libéralisme, c'est l'égalité des conditions de concurrence. Si les autres ont des aides et vivent grâce à ces aides, parce que le système français est complexe, on pourrait comparer ça à l'étranger. Il y a plein de raisons qui font qu'il y a des aides en France et qu'il n'y en a pas à l'étranger. Mais si les autres ont des aides qui leur permettent de vivre, alors moi, je dois vivre dans les mêmes conditions de concurrence. C'est ça la base du libéralisme, c'est si les autres ont des conditions difficiles, je dois avoir les mêmes. S'ils ont des conditions qui sont facilitées par certains points, alors je dois avoir les mêmes. Et effectivement, en 2017, vous avez bénéficié d'une aide de un peu plus de 2 millions d'euros, je crois. Alors, dans ces aides, il y a beaucoup de... C'est compliqué, c'est qu'il y a des aides qui repartent... Non, pas du tout. Mais il y a des aides qui repartent directement à Presstalis, qui est l'entreprise de distribution des journaux. Et comme Presstalis ne peut pas recevoir des aides directes, parce que Bruxelles veille, ça passe par les éditeurs de journaux qui s'engagent, d'ailleurs qui signent une lettre avant de recevoir, avant de recevoir l'aide, qui signent une lettre envoyée par le ministère de la Culture et de la Communication en disant... Promettez-nous, dans les 24 heures, de renvoyer cette aide à Presstalis, ce que nous faisons. Les aides à la presse, c'est un système assez complexe où il y a des aides au pluralisme, pour qu'il y ait une pluralité de titres sur l'ensemble du territoire français. On a des aides renforcées pour l'outre-mer, par exemple, et des aides à la distribution, pour s'assurer que par la poste ou par portage, les journaux arrivent au plus près des Français. C'est aussi le rôle du ministère de la Culture. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. C'est la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous nous parlez de Dylan Thierry, cet influenceur visé par une nouvelle plainte pour escroquerie. Oui, depuis plusieurs semaines, Dylan Thierry, un ex-candidat de Koh-Lanta devenu un influenceur célèbre, est au cœur d'une énorme polémique après la révélation par le rappeur Booba de plusieurs enregistrements téléphoniques aux attaques de longue date sur un présumé détournement d'argent par le biais de son association d'aide humanitaire. Se sont ajoutées des graves accusations de proxénétisme. La on la recrute. On lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la chatte, machin, tout ça. On lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bien évidemment, on n'a pas besoin de te dire que ça ne sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en deux jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Dans la foulée de ces révélations, un deuxième extrait est diffusé sur les réseaux sociaux. Il s'agit là aussi d'une note vocale adressée par l'influenceur à Sandra D, l'une de ses anciennes collaboratrices au sein de l'association Pour nos enfants. Dylan Thierry y explique comment il compte organiser un trafic d'enfants via cette association. Imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Pour la première fois à la télévision, Sandra D a accepté de nous raconter ce qu'elle a ressenti en recevant ces messages vocaux. Je suis assez choquée et je me dis, la première chose, c'est que je dois partir, ne plus rester avec lui, trouver le moyen de partir, trouver le moyen d'avertir les membres du bureau et de le dénoncer, tout simplement, pour plus que ça se reproduise. Je prends la décision de le dénoncer, de porter plainte. Je remets ces audios à la police et ces audios ont fuité. 48 heures après le dépôt, ont fuité auprès d'abord de Dylan et sur les réseaux. La justice enquête désormais sur l'influenceur après 5 plaintes contre X pour escroquerie, abus de biens de confiance aggravé et détournement de fonds. Tom Michel, l'avocat de Sandra D, nous explique avec Valentin Tibier ce qu'il attend de la justice désormais.
La première chose, c'est qu'elle se saisisse dans un dossier d'abus de confiance concernant l'ensemble des donateurs, dans un dossier de menaces et d'atteinte à la vie privée de ma cliente. La deuxième chose, c'est qu'on déposera des plaintes partout où ce sera nécessaire. Ce monsieur est luxembourgeois et vit à Dubaï, mais on aura pour autant une compétence française, puisqu'effectivement, il y a des victimes françaises. On attend aussi des réseaux sociaux qui se saisissent et qu'ils permettent d'arrêter ces pratiques des influenceurs qui se permettent, sous couvert de leur célébrité, d'avoir une audience qui leur permet de vendre n'importe quoi, comme des compléments alimentaires contre les cellules, site cancérigeuse. Voilà ce qu'on attend. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Quelques jours après ces révélations que vous venez d'entendre, l'influenceur a menacé sur les réseaux sociaux son ancienne collaboratrice. Il l'accuse d'avoir diffusé ces échanges. Sandra D va porter plainte vendredi pour menaces et violation de la vie privée. Depuis quelques jours, elle est victime d'une vague d'harcèlement en ligne. J'ai très peur. Mes enfants ont peur. Ça a tourné très vite. C'est quelqu'un qui s'en est pris pour le coup à mes enfants. Le fait de communiquer sur le nom de mes enfants et mon adresse, c'est quelque chose qui est assez grave. Et aujourd'hui, je le vis très très mal. J'ai peur. J'ai créé une marque, il l'a communiqué. Et j'ai eu un harcèlement sur les réseaux à cause de ça. Je me suis fait insulter. Je me suis retrouvée dans cette histoire. J'ai voulu dénoncer. Et aujourd'hui, il veut me faire passer pour une complice, ce que je ne suis clairement pas. Peut-être pour retirer ma plainte, mais je ne la retirerai pas. Depuis quelques heures, Dylan Thierry a fermé plusieurs de ses comptes sur les réseaux sociaux. Selon nos informations, certains donateurs de l'association Pour nos enfants devraient porter plainte contre l'influenceur dans les prochains jours. Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu, le chanteur Stromae annule sa tournée. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'il l'a annoncé. Sur Twitter, il évoque le bonheur d'organiser cette tournée, de retrouver la scène et son public ces derniers mois. Il dit aussi avoir espéré en vain pouvoir se redresser rapidement. Stromae présente ses excuses, remercie pour les messages de soutien qu'il reçoit et il signe Paul, c'est son prénom. Beaucoup voient dans cette annulation un retour au silence de Stromae. Il était absent de la scène des médias pendant plus de 5 ans avant cet album. On sait qu'il a contracté une forme de dépression, effet secondaire d'un traitement antipaludique après un voyage, une tournée dans son pays d'origine, le Rwanda. On va rappeler aussi que Stromae est belge. Audrey Payas a contacté aujourd'hui Thierry Coljon, journaliste musique au quotidien Le Soir en Belgique. Il a longtemps côtoyé Stromae. Mais à la place des fans qui sont frustrés parce qu'ils aimeraient bien savoir ce qu'il a. C'est vrai qu'on a l'habitude avec certains artistes, je pense à Céline Dion ou à Florent Pagny, qui sont des livres ouverts, qui nous disent tout, on connaît les détails. Florent Pagny a même fait un livre où il raconte son cancer et tout et tout. Paul n'est pas comme ça. Paul ne communique, il est très pudique parce qu'il estime que c'est, il se protège, il contrôle tout. Son entourage ne dit rien parce que c'est lui le patron. Et est-ce qu'il remontera un jour sur scène? Personne n'a la réponse à cette question, à commencer par lui. Lors de son retour il y a un an et demi, vous vous souvenez de cette mise en scène aux 20h de TF1. Stromae présentait son nouveau single qui parlait de la dépression. Vous avez aussi pendant 7 ans lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Stromae s'absente de la scène, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais pour le journaliste Thierry Coljon, à l'avenir, l'artiste pourrait connaître un gros souci. S'il voulait revenir, les assureurs pourraient le lâcher désormais. Au-delà de sa santé, de l'inquiétude qu'on a pour sa santé, qui est l'essentiel bien sûr, au-delà de ça, je crains une perte financière catastrophique. Il est inassurable. C'est la Lloyd à Londres qui assure. La Lloyd a des listes d'artistes. Par exemple, des gens comme Amy Winehouse ou Pete Doherty étaient inassurables. En plus, le problème, c'est que Paul n'est pas le genre à remonter sur scène pour faire un petit set acoustique dans une petite salle. Ici, le spectacle qu'il annule, le Multitude Tour, c'était un spectacle qui coûtait très cher, avec des robots, avec une grosse production visuelle, comme personne en France ne le fait. Donc, la perte est d'autant plus sèche. Stromae annule sa tournée, Adèle Haenel, elle renonce à sa carrière. J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma, écrit la comédienne dans une lettre qu'elle a envoyée à Télérama et que je continue de citer. J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis d'agresseurs sexuels, la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Adèle Haenel évoque un milieu du cinéma qui
rempli l'espace médiatique devant pour rendre l'ordre bourgeois aussi naturel que le bleu du ciel. Je vous annule de mon monde, je pars, je me mets en grève. Voilà ce qu'écrit Adèle Haenel, dont on se souvient évidemment du coup d'éclat au César lorsque Roman Polanski était primé à l'époque, malgré de multiples accusations de viol. C'était début 2020. Elle écrit vouloir s'engager, être en phase avec ses idées, rejoindre ses camarades. On l'a vu ces derniers mois d'ailleurs sur les mobilisations contre la réforme des retraites. Non pas comme un soutien, mais regardez comme un véritable, comme une véritable actrice politique. Ce qu'on repousse avec cette réforme, c'est tout un monde. C'est un monde de la bourgeoisie mortifère. Un monde dont le projet, c'est l'exploitation à l'infini et de plus en plus profonde de nos vies. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre, en fait. On va imprimer un rapport de force, en fait, avec ce monologue de la bourgeoisie. En fait, on va imposer notre voix. Moi, j'ai joué dans un film qui s'appelle Portrait d'une jeune fille en feu. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. Voilà. Madame la ministre, ce que dit Adèle Haenel sur le monde du cinéma, ça laisse entendre que MeToo n'a pas changé grand-chose. On va rappeler que tout part d'Hollywood. Comment est-ce que vous avez accueilli la critique du milieu que porte Adèle Haenel ? Elle dit que c'est du vide et que c'est du vent. Là, quand même, je trouve ça totalement exagéré, radical. Après, moi, je respecte son choix. C'est une femme libre. Elle a décidé d'arrêter. C'est son choix. Mais le milieu du cinéma, c'est énormément... transformé ces dernières années. Il y a eu des grandes prises de conscience depuis MeToo. Nous-mêmes, le ministère de la Culture, on a mis par exemple une conditionnalité à une formation contre les violences sexuelles et sexistes pour obtenir une subvention. On a mis en place un bonus parité. Si une équipe sur un film, sur un tournage est paritaire, ils ont plus d'aide du CNC que s'ils ne le sont pas, etc. Et quand je vois un film comme La nuit du 12 de Dominique Moll, qui a eu le succès qu'on connaît, qui permet de parler du féminicide, de parler des violences faites aux femmes et qui touche autant de monde, ça montre bien que le cinéma, c'est pas du vide, que le cinéma permet aussi de mener ces combats-là. Là, j'ai vu récemment Je verrai toujours vos visages de Jeanne Héry, c'est aussi un magnifique film. Sur la justice restaurative. Sur la justice restaurative, la prison, ça fait prendre conscience de sujets majeurs de société. Le cinéma sert aussi à ça, à nourrir nos imaginaires et à faire évoluer nos mentalités. Du cinéma toujours, cette semaine, ont démarré les avant-premières du nouveau Disney. Oui, après Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle ou autre Aladdin, La Petite Sirène en live action, comme on dit, avec de vrais acteurs et de l'animation réaliste pour les animaux. C'est donc autour de La Petite Sirène, plus de 30 ans après le dessin animé. Événement pour l'avant-première à Hollywood. Le tapis rouge était bleu, hein, parce qu'on est sous l'océan. Sortie de l'océan aussi, la robe de l'actrice Halle Bailey, qui a été remarquée. Voilà, c'est une sirène, inspiration sirène, on est dans le thème. Mais ce dont on a beaucoup parlé autour de ce film, c'est que le rôle d'Ariel, le rôle principal, vous l'avez vu, est incarné par une actrice noire, ce qui a pu diviser aux États-Unis. D'abord, d'un côté, on y voit un vrai signe de progrès chez Disney. L'actrice elle-même revendique son statut de princesse Disney qui parlera sans doute plus aux petites filles noires. Wow, it means the world for me to play a character like this. Like you said, if I would have seen a woman who's my skin color on the screen when I was little, I think it would have changed so much for me and my whole perspective on life. So the fact that I get to do this is really surreal, and I'm just so grateful, and I just hope people really love what we've brought to the film. D'autres, en revanche, ont dénoncé ce choix. La petite sirène est blanche et rousse, elle doit le rester, a-t-on pu lire sur Twitter. Certains sont même choqués et accusent Disney de céder au wokisme. C'est un progrès à vos yeux que la petite sirène soit noire, ou est-ce que vous attendez, avez peur, on parle d'une petite sirène. Oui, la petite sirène. Une petite sirène, donc ça n'existe pas. Je suis d'accord. Il me semble. Bon. Donc je pense qu'on peut représenter cette sirène de plein de manières, de plein de couleurs de peau, de cheveux. Je comprends pas. Il y a des réécritures qui vous inquiètent plus, des réécritures d'œuvres majeures ou d'œuvres tout court. Ah oui, ça c'est un autre sujet. Ouais. Réécrire Roald Dahl, on fait partie, c'est un autre sujet. Non, là c'est une petite sirène. Oui, d'accord, j'ai compris. rien à voir. C'est plus inquiétant quand il s'agit de réécrire. Oui, la cancel culture aujourd'hui, quand il s'agit d'attaquer des œuvres où on va traquer le moindre mot qui pourrait offenser quelqu'un, en fait, chaque mot pourrait potentiellement offenser quelqu'un. Mais c'est un débat complexe parce que certains titres ont été changés avec l'accord des auteurs. Agatha Christie avait accepté en 1940 que l'édition américaine d'Édipe Tinègre change de titre. Donc c'est différent. Mais réécrire Roald Dahl aujourd'hui, je trouve que Gallimard a eu la bonne attitude très sensée de dire en fait ce qu'on peut faire c'est contextualiser. C'est important de remettre en perspective, de dire ça a été écrit à une époque où tel mot voulait dire ça.
Aujourd'hui, on le lit autrement et on peut mettre une préface, on peut mettre des notes de bas de page. Il y a plein de manières de contextualiser sans avoir à réécrire. On termine avec un sourire. Oui, un sourire, une victoire même, que vous allez voir sur vos écrans, sur ces images de nos confrères de l'équipe TV, Clarisse Agbenienou, sacrée championne du monde de judo en moins de 63 kilos, c'était à Doha, au Qatar, tout à l'heure. Une victoire qui compte, hein, après une longue absence, une victoire en forme de retour en force de la championne olympique en titre. Clarisse Agbenienou avait fait le choix d'interrompre sa carrière pour avoir une enfant, victoire qu'elle dédie donc à sa fille, Athéna. Elle n'a que 11 mois et d'ailleurs, elle était venue il y a quelques semaines. Elle était venue accompagnée de cette petite Athéna, quelle adorable petite fille. Bravo, bravo. Oui, bravo, bravo à Clarisse. Et nous, et puis, on espère 2024. Bravo, Clarisse. Bravo, Clarisse. Merci beaucoup, Rima. Athéna. Merci beaucoup, Rima Boumalak, d'être venue ce soir sur le podcast. C'est à vous. Merci, Nicolas Bétou. Bon anniversaire. Merci. Vendredi, un numéro spécial de l'Opinion dans les kiosques. Dans un instant, Charline Vanhoenacker, Titu Lecoq, Fatoumata Diawara sur la scène de C'est à vous. L'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand, le dîner. Et j'étais à ça. Zoé Bruno, j'ai rien oublié.